La DPNDA existe depuis très longtemps. Moi, je suis présidente depuis quelques années. Et les missions de l'association sont accompagnement à la scolarité et au choix de scolarité des familles, en fait. Donc, on est là en conseiller. Voilà. Aussi, accompagnement autour des aides dont peuvent bénéficier les familles. Et puis, on a développé donc, avec la bibliothèque d'accueil des temps d'activité, de réflexion, voilà, autour de la surdité. La DPDA a été sollicitée autour de l'accueil des enfants sourds en milieu hospitalier. On a lancé l'idée qu'il pourrait y avoir un livre vraiment qui permette à l'enfant de s'approprier ce moment d'accueil et aussi au personnel d'entrer en communication avec l'enfant, même s'il connaît pas la langue des signes, même si l'enfant ne peut pas l'entendre. On s'est aperçu qu'on avait des difficultés lors de l'accueil de l'enfant sourd et malentendant. On ne savait pas lui présenter le service, les repas, la douche préopératoire. Pour le parcours qu'il avait à faire aussi dans l'hôpital, en fait, pour lui, c'était pas forcément clair les étapes qu'il allait avoir. Donc, c'était important pour lui de qu'on fasse justement ce travail pour pouvoir améliorer sa prise en charge dans le service, l'accueil et la prise en charge. On avait un livret d'accueil, mais qui n'était pas adapté à l'enfant sourd. Moi, j'ai ma fille qui était à l'hôpital faire deux séjours. Elle avait 2 ans, elle est sourde, elle ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Et il n'y avait rien sur place pour expliquer. Donc c'est après, c'est moi qui fais la démarche de trouver des livres, qui vais les chercher, mais c'était après l'hospitalisation. Et moi-même, j'ai trouvé ça assez difficile. Il y a aussi des étapes à l'hôpital qui sont très difficiles, c'est-à-dire on laisse l'enfant avec l'équipe qui va au bloc. Et ben moi, j'ai souvenir des portes de l'ascenseur qui se fermaient et d'entendre mon enfant crier dans l'ascenseur et de se dire « Mon Dieu !» Alors, on ne peut pas tout résoudre, hein, ça, quelle que soit la situation, mais c'est vraiment encore plus fort quand on ne peut pas du tout expliquer à l'enfant. Didoi Compagnie intervient à deux niveaux sur le projet du livre à l'hôpital. D'abord, au niveau de l'édition, Didoi Compagnie a déjà publié plusieurs ouvrages en coédition avec Guater, qui sera l'éditeur de ce livre. Et interviendra aussi au niveau de la création d'une vidéo accessible bilingue en langue des signes et sous-titrée à destination des adolescents qui vont à l'hôpital et aussi des parents d'enfants sourds. On va essayer de faire quelque chose d'assez créatif et innovant dans ce domaine, en essayant d'accompagner l'enfant de son entrée, même de la préparation de son entrée à l'hôpital jusqu'à sa sortie, de décrire le parcours de soins, de décrire la vie quotidienne de l'hôpital, d'identifier les personnes auxquelles l'enfant va avoir affaire, présenter aussi, qu'il puisse présenter sa famille, qu'il puisse... Donc on va essayer de faire un livre avec des autocollants qu'on pourra coller, des jeux... pourquoi pas, des activités variées, afin de faire comme un carnet de voyage à l'hôpital. C'est difficile de soigner un enfant qui ne comprend pas ce qui se passe, qui a peur, qui se défend. Donc pour l'équipe, ce sera un moyen aussi pour eux de pouvoir entrer en contact avec l'enfant et qu'il puisse y avoir une confiance qui s'installe entre les professionnels, l'hôpital, l'enfant et les familles.